Et voilà, c'est fait. J'ai donc revendu toutes les lances plus 3 et toutes les arbalètes et j'ai obtenu un pognon indécent, mais on en aura bien besoin. Dépêche-toi. Tiens-toi, hey. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? Parle pour Il y a réapparaître. intérêt que je sois bien Jeanne payé pour Calais? ça. Ou puis toi, tu vas le restaurer. Je crois que j'ai pris un sort de restauration. Ouais. Parlez. Ah bah lui aussi passe un Ce sera niveau. fait. Il y avait déjà Kaya, alors on va déjà Ma passer chibrette. Corgan. Il passe niveau 19, très bien. Ok. Et Kaya, elle passe niveau 15 de guerrier et niveau 15 de mage. Et surtout, elle passe les 3 millions d'expérience. Ce qui fait qu'elle va gagner ses premières HLE. High Level Ability. Tiens, ça c'est quoi? Convocation de planétaire déchu, c'est très bien. Alors ce sont des HLE liés au mode Refinements pour certains. Prévoyance, non. Égide, ça c'est quoi? 85% aux dégâts magiques. Non, résistance aux démons, 85%. Et résistance aux dégâts physiques aussi, 85%. Et 60% aux dégâts magiques, ben c'est très bien ça. Oui, certainement. Bon, allons-y. Alors on va se préparer. Je pense Qu'est-ce que que toi, c'est? tu vas me faire une image miroir. Oui, habile? Toi, tu vas me convoquer ça. Oui, je suis Tu vas pas me sourd. convoquer ça. Voilà, j'ai des chiens, très bien. Est-ce que je convoque le djinn? Le problème, c'est que lui, il a tendance à balancer des Oui. trucs Parlez. un peu n'importe comment. Oui. Ah, il me semblait que j'avais installé le Qu'est-ce que c'est? composant qui faisait que c'était considéré comme des capacités spéciales. Cela dit, on peut n'y accéder qu'une fois par jour, hein. Voilà. C'est effectivement des capacités spéciales, les sorts d'Égide, Convocation de planétaire déchu, les sorts de niveau de quête. On ne peut les avoir qu'une fois par jour. Est-ce que je balance un planétaire déchu? Non, je vais peut-être par contre balancer ça. Et toi, Ce t'en as aussi? moineau est prêt à s'envoler, dès que tu en donneras l'ordre, Ouais, t'en bien as sûr. plein. Allez, balance. Parlez. Et puis un sort de hâte, je pense que c'est bien. Précis. Oui. Allez, allons-y. Sans aucun doute. Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait. Oui, mon Top. corbeau. Hein? J'en ai saigné Le pour moins que destin nous ça. appelle. Parlez, certainement. Non, Je suis aussi viens prêt que là, de jeunes R. Je bonnes pense que tactiques. toi, t'es plus à même de Oui, balancer des trucs qui sans font aucun doute. mal. J'attends les ordres. Ouais, voilà ce que j'aime Sans entendre. attendre, n'est-ce pas? Hop. Allez, on s'adresse au Sauvé de roi. l'oubli. On lui dit, oh, on revient avec un cœur. En fait, c'est le faux cœur, hein, du prince. Donc le baron a l'air dépité qu'on ait réussi. Et là, le capitaine de la garde débarque et lui dit, alerte, le prince, il vous attaque. Et tout le monde va s'énerver. Hop, 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 hop. Hey! Oh, le roi, il m'attaque! On fait donc une nouvelle fois appel à moi. Ouais? Je ferai comme tu dis.
pour l'instant. Alors, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que c'est ? On va me faire, hop, une protection contre les armes magiques. Ce moineau est prêt à s'envoler, dès que tu en donneras l'ordre, bien sûr. Parlez, ce sera fait. Dépêche-toi, et plus tard je t'ouvre le ventre, ouais. Il a balancé son, oui, mon corbeau. Son sort, oui. Ce sera fait. Pourquoi il peut pas lancer son sort ? Qu'attaque Corgan. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? Attaque ici, Corgan. Ça va attaque saigner. Bon, ouais, bah ça va saigner. Yann Yansen, pour vous servir. Attaque ce mec-là. Oui, oui. Tiens, essaye de l'empoisonner, d'ailleurs. Ustanzados. Toi, je sais pas ce que tu peux faire. Ça, peut-être. Est-ce que j'ai des sorts? Non, pas de sort de silence, c'est dangereux. Quoi encore? Ah, attention. Oh, assez. Allez. Bon, très bien. Ah, Corgan verrouille. Mâche est prête. Bah, on va le rendre invisible. Très bien. Ok, le roi est mort. Oui. Vive le roi. Hein ? Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Je suis occupé. Le destin nous appelle. Fais-nous une spirale défensive, peut-être. Voilà un rôle. J'attends à les ordres. Tremblez. Oui. Cette arme n'est donc qu'un jouet. Ça c'est qui? Ah, le fameux prince qui vient nous aider. Enfin, c'est... Il est temps, hein. Parce que là, on en chie un peu, hein. Qu'est-ce que c'est? Par le pouce de l'oncle Spanky. On a tué le capitaine. Qu'est-ce qui reste? Un garde royal, un garde royal, un baron. Le baron, il doit avoir des sous. La mort sera pour toi une délivrance. C'est quoi ça? Parlez. Pourquoi je suis immobilisé? Parce que j'ai plus que 13 en force? What the f... Je suis aussi prêt. Je serais heureux de danser oh, sur ça ton suffit. Air, si tu savais jouer. Tu fais ça. Aidez-moi. Bande d'impies. Oui, maître. Oui, oui, on va t'aider. Que puis-je faire maintenant? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais t'aider. Ah, puis lui aussi, il peut plus porter. Ah non, c'est elle. C'est Kaya. J'ai eu peur. Le mec, il a 60 points de vie. Oh, ça, je peux le faire. Oui. Je peux tuer ça. Toujours prêt à rendre service. Compris. Ouais. Voyons voir la couleur de tes tripes.
Ah, il y a encore un combattant squelette là. Bon, il a l'air content, il dit qu'on a rendu un grand service à son peuple. L'heure du thé au navet est depuis longtemps passée. Y compris à Edwin. Un peu de repos ne peut pas nous faire de mal. Niveau. Parlez. On a normalement récupéré la clé pour récupérer ce qu'il y a là-dedans. Et on s'aperçoit. On a récupéré la corde pour partir d'ici. On s'aperçoit que les Sabagins vont essayer de conquérir la côte des épées. Et c'est pas bien. J'aurais juré entendre quelle heure il est là. Allez, on a perdu 10 heures d'un coup. On a plus de habilement et soigneusement, oui. Sans si aucun ce n'est doute. Promptement. On a pu sans toute attendre qu'à l'air d'Alice se fasse son entrée. Ouais, bah qu'est-ce que c'est? Tiens, fais-moi un planétaire déchu là. Parlez. Quoi? Sur l'heure, votre grandeur. Dépêche-toi. On fait donc une nouvelle fois appel à moi. Ça. Bah, je sais pas si t'aurais pas fait ça. Oui. J'attends vos instructions. Mais... On va frapper ces mecs-là. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? On va pas les laisser vivre. Barre-toi, je suis prête. La confiance qu'est-ce est l'apanage des fous et des morts. Je que nos d'accord. exploits soient comptés à travers les âges. Char guide mon bras. Ton verbe est ma volonté. Et voilà. Mâche et brûle. On est quand même pas envahir la côte des épées. Hein. La prochaine, ce sera fait. Voyons voir la vous couleur de tes tripes. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a disparu. La victoire nous appartient. Le destin n'attend pas. Plus personne. Oui. Moi je vais en certainement profiter pour aller shooter la marchande là-bas. Puis après je vais ressusciter Edwin. Un coup dans l'eau. Vita mortis. Non mais. Vilaine. Qu'est-ce que c'est? Parlez, sans aucun doute. Un anneau, super. Oui, ce sera fait. Bon, ben, on a encore perdu Edwin. Qu'est-ce que c'est? Ben, qu'est-ce que c'est? C'est un magicien mort. Oui. Eh ben, je vais encore couper oui, la caméra, oui, et puis je vais vois. Ramasser tout son matériel, et puis remettre ses sorts, etc. Parlez. On revient tout de suite. Et voilà. Alors, j'ai trouvé de beaux objets, que je sais pas identifier, mais Edwin saura sûrement.
La lame de vague, donc la fameuse hallebarde à reconstituer. On en a déjà le manche, il me semble. Un sceptre de puissance altière. Il peut se transformer en masse plus 2, épée longue, lance plus 3. Bon. Ça se revendra. Quelques lances plus 3 d'ailleurs, j'ai trouvé. Et voilà, Viconia a passé un niveau, elle passe niveau 21. Elle gagne plein de sorts, 2 points de vie, et lui passe niveau 21. Et qu'est-ce qu'il gagne? Un sort de niveau 7, alors ça c'est dû à... Normalement les barbes n'ont pas accès dans le jeu de base au sort de niveau 7. Mais ce qui est une anomalie par rapport au jeu sur table, et ça c'est la table, c'est Refinement il me semble aussi qui fait ça, qui met la table des sorts propre aux barbes, la vraie table des sorts. Ok. Parlez. Sans aucun doute. Eh ben on n'a plus qu'à retourner. Oh oh. C'est un garde. Non. Oui. Ce sera fait. Ouais, bah faut ajuster. Oh, mes paupières se font lourdes. Oui, bah, n'avons-nous pas le temps de dormir et de rêver, ne serait-ce que quelques instants. Oh oh, ça c'est pas bon du tout. Oui, je suis pas sourd. Bon bah fou. Personne ne peut me voir à présent. Je vais être tout seul, mais... J'ai besoin de repos. J'exige que nous nous arrêtions. Voilà. Et hop, encore une lance, et encore ça. Yann Janssen, je le ferai. On va s'arrêter, t'inquiète, on va s'arrêter. Oui, sans aucun doute. D'abord, on rejoint le camp des rebelles. Personne ne peut me... Tiens, ça me rappelle une histoire. Il y a bien longtemps... Il va se positionner en éclaireur, notre ami. Qu'est-ce que c'est? J'attends vos instructions. On doit croiser personne. Toujours. Oui. C'est une tactique bien connue. Je me méfie des normalement. Parlez. Je suis d'accord. Personne. Oh, ça, je peux le faire. Oui. On n'a plus aucun sort, c'est énorme. Ce sera fait. Quoi? Je ne peux pas. Je suis allergique. Qu'est-ce que c'est? Bon, certainement. Je ne suis pas si allergique que ça. Stop. Kaya va pas trop vite. Oui, pas mal notre numéro, non? Comme Drist et Wulfar, Elminster et Volo. Parlez. Ah, allez, je vais sans faire aucun une folie. Doute. Et si on s'associait pour vendre des navets au porte-à-porte? On a vraiment exterminé tous les savagins. Alors ça a coûté personne cher. Personne ne peut me voir à présent. On a tous nos sorts, et l'une est mort une fois. Je me méfie quand même. Yann Janssen, pour vous... Oui. C'est une tactique bien connue. Ça, je peux le faire. Oui. Ce sera fait. Toujours prêt. Compris. Je me méfie. Qu'est-ce que c'est? Capable d'en avoir encore certainement d'autres hein, par ici. Il y a quoi, ce moineau est prêt. Oh bah j'ai pas ramassé ça. Et ça c'est quoi? Ustanza. J'ai pas ramassé. Ah, ça c'est rien. J'aurais juré en... Ce sera fait habilement et soigneusement. Parlez. Si ce n'est promptement. Sans aucun doute. Quoi? Sur l'heure, votre grandeur. Ouais, bah la grandeur.
On a vraiment, vraiment exterminé tous les Savagins. Ah, c'est quoi ça? Oh non, ça on s'en fout. Ce sera fait. Et avec la corde qu'on a récupérée dans le trésor du roi, on peut descendre dans les tréfonds obscurs. Et puis on va arrêter là la session parce que j'en peux juste plus. Personne ne peut me voir à présent. Tout se passe à merveille à la surface. Le temple de leur dieu imposteur a été profané. Je suis satisfait. Tout se déroule comme prévu. Nous n'avons pas agi dans ton intérêt, Irenicus, bien que tu nous aies offert d'intéressantes opportunités. Pardonne mes propos irréfléchis, Mère Matrone. Nos premiers prisonniers arrivent, Mère Matrone. Ces deux-là semblent être des personnages parmi la racaille de la surface, Matrone. Quel sera leur sort ? Leur présence me soulève le cœur. Tu l'es. Il est peut-être préférable de les interroger avant. Jeune Odette, que faites-vous avec ce monstre ? Vous êtes... Curieuse façon de le soumettre à la question, Irenicus. T'aurait-il manqué de respect ? J'ai reconsidéré la question, Mère Matrone. Vous aviez raison. Voilà, une petite cinématique où on voit Irenicus en pleine discussion avec des elfes noirs. Il est donc bien en Ombre Terre. Et on va le poursuivre. L'Ombre Terre se présente devant vous. Alors que vous vous accoutumez progressivement à la faible lumière qui baigne l'endroit, vous prenez en même temps conscience de ce que votre acte implique. Ce lieu abrite de nombreuses légendes, et il est réputé comme étant le siège des forces du mal. Vous pourchassez Irenicus depuis longtemps maintenant, mais jamais une telle sensation ne vous avait envahi auparavant. Vous avez parcouru d'étranges lieux jusqu'à présent. Mais il semblerait que le pire reste à venir. Personne ne peut me voir à présent. Me voilà donc de nouveau dans ma patrie. Et nous voilà. Je sens déjà à quel point elle m'est devenue hospitalière. Mon regard n'est plus habitué à ces ténèbres. Je vais même me mettre à l'abri. À la menace, le plus loin possible. À chaque détour de chemin. Et je vais arrêter là la session. Non, je vais peut-être faire passer un niveau à Yann. Oui, je suis pas sourd. Il a passé un niveau de quoi ? De voleur. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Se cacher 95%. Furtivité, tiens, c'est pas mal ça. Ah, une compétence martiale. Qu'est-ce que je lui donne? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour lui. Tiens, l'épée longue. Et on a dit furtivité. Hop. Et voilà. Et j'arrête là la session. Allez, bye bye.